Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au duel de ce dimanche, c'est politique sur le plateau. J'ai avec moi Julien Kitty, bonjour, porte-parole de l'UDBN. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà, Dr Paul-Marie Wissou, ancien chercheur à l'UAC, analyste politique également, bonjour. Bonjour, bonjour Xavier, voilà. Bonjour à Gilles. Nous allons, le premier sujet, nous allons revenir sur, on va dire, sur boycott. Du 1er août des ex-présidents de la République. Est-ce la fin de la trêve observée depuis un moment, on va dire pratiquement 2 ans, après on va dire la réconciliation célébrée entre le président de la République, André Ayiboni, et le président Patrice Talon? Est-ce la fin de la trêve? Julien Kidi, je commence par vous. Mais est-ce la fin de la trêve? C'est déjà malheureux de devoir parler de trêve. Ça veut dire que ce qui est normal, c'est-à-dire la fête de l'indépendance, la fête nationale, la fête réaffirmation de la cession de notre pays à la souveraineté internationale, qui devrait nous rassembler nous tous, à un moment donné, il y a eu rupture de cette symbiose-là. Et donc, quand on a repris avec cette symbiose, on est aujourd'hui surpris qu'elle soit rompue à nouveau. Oui, je suis d'accord avec vous, malheureusement, qu'on constate qu'il y a eu... Est-ce que c'est la fin? Non, je vais parler encore de rupture. Peut-être que ça va reprendre, c'est à souhaiter. Parce que moi, j'ai toujours pensé que... il ne devrait même pas avoir de rupture ou de suspension ou de trêve autour de cette affaire, qu'on soit opposant, avancé, qu'on soit d'accord avec le président en exercice ou pas. Le jour où on parle de l'indépendance du Bénin, je pense que tout le monde devrait se rassembler. Et c'est même l'occasion aussi de montrer qu'au-delà de ce qui nous divise, il y a quelque chose de très très fort qui nous unit, c'est la patrie. Voilà. Oui, question. Est-ce la fin? Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Je crois savoir quand même qu'il y a eu une certaine reprise au 62e anniversaire, avec un peu plus de rapprochement entre les présidents et même entre l'opposition et la mouvance. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps et le 73e anniversaire, 63e anniversaire. 63e, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que, bien, le président Soglo déjà a commencé à envoyer des signaux d'une certaine déception par rapport à des choses qui lui ont été dites. Je ne vais pas dire promises, mais des choses qui lui ont été dites et qui ne se sont pas réalisées. Et il faut dire aussi que bon, on a vu beaucoup de choses se passer dans le temps avec le président Ayiboni qui s'est rendu chez le président Talon un certain nombre de fois, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour que, déjà, vous voyez un peu la croisade que le président devait organiser à Porto-Novo a été interdite, un certain nombre de choses, de frictions qui apparemment ont joué sur cette attitude où les présidents ne se sont pas présentés donc à la fête nationale, où on ne les a pas vus du tout dans aucune manifestation. De l'autre côté, on peut aussi dire que le président Talon a, me semble-t-il, privilégié la relation avec le Nigeria, puisque bon, ça a été le cœur même de cette célébration, et que en privilégiant cela, il a un peu négligé les relations à l'interne. Mais quoi qu'il en soit, je crois que les trois personnalités doivent... Peut-être qu'il ne s'y attendait pas. Qu'il ne s'y attendait pas que ces deux personnalités fassent défection, ben, d'autant plus que la prise de parole du président Ayiboni a été faite, on va dire, cette fameuse lettre a été envoyée, en tout cas a été publiée la veille. Oui, peut-être qu'il toutes ces décisions-là ont été, en tout cas, on a tous été témoins que c'est à quelques heures de l'organisation qu'on a eu vent de cela. Oui, bien. On ne sait pas si dans le protocole d'État il y a eu
des échanges, la vérité, en tout cas, ça on ne sait pas. Donc on va s'en tenir à ce qu'on sait publiquement. Oui, justement, c'est pourquoi nous faisons une certaine analyse basée sur des spéculations. Alors, donc moi, je pense que c'est ce qui est important, au-delà donc des différences qui peuvent subvenir dans le temps, que les trois personnalités doivent, disons, savoir que tout ce qu'ils font, tout ce que chacun d'eux fait, sert d'exemple et de modèle à l'avenir et à la jeunesse, et qu'il faut donc pour cela vraiment prendre de la hauteur par rapport à toutes les situations et faire de sorte que la nation puisse prévaloir au-delà de tout. Est-ce que, pour rester avec vous, quand on regarde un peu les prises de parole, vous avez parlé du président Soglo, on sait que qui a deux cas entre griffes qui priment sur tous les autres, entre autres revendications, à Yvon et Madougou. Est-ce au niveau des démocrates, parce que le président Yahya Boni est président d'honneur des démocrates, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction, parce que bien même quand même sur notre plateau, à la faveur de ce Conseil national, il a été réaffirmé que le parti travaille à l'Assemblée nationale à avoir un consensus autour de cette proposition de loi d'amnistie. Donc d'un côté, le parti fait avancer un certain agenda à l'Assemblée nationale pour avoir une loi d'amnistie, et de l'autre côté, le président d'honneur, on a dit, met la pression sur le président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'incohérence dans ces actions? Parce qu'après, on a vu que le parti, les démocrates, dans la foulée de cette missive, en tout cas de cette lettre publique, a décidé aussi de ne pas se présenter. Alors, comment ils espèrent avoir le consensus à l'Assemblée nationale pour le coup? Oui, bon, moi je pense que c'est pour cela que je disais tout à l'heure que tous doivent s'élever au-dessus donc des différences qui les divisent pour le moment pour regarder la nation. Pourquoi? Parce que bon, le parti, j'ai comme l'impression. Non, bon, c'est l'impression que j'ai que le président de la République, depuis donc les vagues de changement de ministre, on va appeler ça comme ça, depuis donc les changements de ministre, est devenu un peu plus occupé que d'habitude. Donc, je veux dire que son implication dans les choses est allée un cran au-dessus de ce que nous avons l'habitude de voir. Sur le plan international. Et qu'à partir du moment où il est encore un peu plus occupé, il peut ne pas avoir le temps de regarder certaines choses. Bon, écoutez, il y a le dossier simple de la nomination du chef de file de l'opposition qui a été annoncé dans un premier temps comme étant déjà nomination étant déjà faite mais qui plus tard s'est révélé comme quelque chose qui n'a pas été réel. Enfin, on n'a pas jusque-là les documents officiels, comme on le dit d'habitude maintenant. Ok. Bon, les décrets pour créer le cabinet, pour en droit donner en tout cas tout ce qui a trait à... Voilà, ça n'a pas encore été pris. Et puis, dans la foulée, il y a donc cette interdiction de croisade. Il y a un certain nombre de choses qui font que peut-être les gens se disent que le président n'est pas sincère dans ce qu'il leur dit. Et c'est ça qui peut-être fait prendre des positions. Mais moi, je dis que quand on regarde... le volume d'activité qu'il a en ce moment, on peut se dire que oui, c'est ça qui fait qu'il y a une petite négligence sur les dossiers à l'interne. Mais il faudrait que lui aussi réalise que le temps, les autres ne sont pas dans le même temps que lui, dans le même rythme de travail que lui, et que ce qui peut paraître petit à leur niveau est la chose la plus importante pour eux. Et donc, il faudrait qu'ils jettent un coup d'œil sur ces choses et qu'ils... Et moi, je voudrais aussi en appeler au fait que, vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi on interdit une croisade.
C'est une manifestation purement religieuse. Je ne sais pas pourquoi on l'interdit. Je ne sais pas si ça va créer des désordres dans le pays. Je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi on l'interdit. Est-ce que c'est à cause de la personnalité du président Yahya Boni? Je ne sais pas. Vous voyez, ces choses finissent par créer de l'acrimonie quelque part et finissent par pousser les autres à se dire, puisque les autres, bien sûr, peuvent avoir des informations au-delà du mur, quoi. Mmh. Mais ils ne vivent pas dans les enclos pour voir ce qui se passe, réellement ce qui se passe et pourquoi les choses sont comme ça et comme ça. Donc, ils peuvent que faire de la spéculation, un peu comme ce que nous faisons, analyse spéculative en ce moment. Voilà. Julien Nkiti, est-ce que là, au-delà de la posture de Yahya Boni et du président Nicéphore Soglo, est-ce que la posture, je pose la même question, est-ce que la démarche du parti lui-même ne manque pas de cohérence par rapport à leur propre agenda à l'Assemblée nationale? C'est vrai qu'ils ont, rien ne les oblige à venir à la fête nationale, hein. Il n'y a pas une obligation liée à leur statut de député, même si symboliquement ça aurait été important. Mais est-ce que dans le même temps, on peut vouloir faire avancer un dossier d'amnistie, donc qui, au vu du nombre, au vu de l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale, nécessite la collaboration des autres, et en même temps, on va dire, se mettre en marche d'une festivité aussi importante. Mais il faut déjà, avant de répondre précisément à votre question, dire que lorsque j'ai entendu mon vis-à-vis évoquer l'éventualité ou les éventualités d'une négligence du chef de l'État par rapport aux dispositions à prendre pour s'assurer que tout est fait pour que les anciens présidents de la République, voire les leaders du parti, le principal parti d'opposition, soient au défilé ou à la fête nationale, ou en plus qu'ils soient occupé par les impératifs au niveau international. Non, je pense que le chef de l'État, c'est une institution. La République, elle est faite de beaucoup de choses. Je ne suis pas prêt à penser que des dispositions n'auraient pas été prises pour mettre les uns les autres d'accord parce que le chef de l'État aurait des patates chaudes à gérer au niveau de la sous-région. Non. Et je pense que les anciens chefs d'État, à moins qu'on m'en donne la preuve du contraire, ont toujours été invités à cette célébration de la fête nationale. Même s'ils ne venaient pas avant. Oui. Alors, et puis les partis politiques, tous les partis politiques ont été invités à y assister. Là où je mets un peu de bémol, oui, le président des démocrates, par exemple, il a tacitement, c'est lui qui est le chef de file de l'opposition. Le gouvernement s'en est pas caché. Il a été même reçu par le chef de l'État. Et quand il sortait, Éric Ndété a dit en des termes à peine voilés que, bon, voilà, on l'a rassuré que les décrets sont pris. Bon, ça va sortir. Et tout dernièrement, je l'ai entendu dans son discours lors de leur conseil national dire que le décret est introuvable. Alors, donc, une manière de dire, bon, comme le diraient les Ivoiriens, on est en train de nous blaguer. Lui, par exemple, arrivé à ce défilé, je pense que oui, il pourrait avoir, avant d'arriver, une inquiétude, une appréhension. Parce que dans le protocole chef de file de l'opposition, lorsque vous êtes déjà, selon le protocole d'État, qui a les documents qui prouvent que vous êtes là, escalité, le protocole est géré autrement lorsqu'on sait que vous êtes dans telle posture, tel manteau, que si vous êtes dans le manteau simple de chef de parti. Parce que chef de file de l'opposition, dans l'appareillage institutionnel, c'est un peu plus fort que ça. Il aurait été peut-être installé ailleurs que là où il doit être. Mais là où on peut encore se dire, non, l'État sait faire les choses de bonne manière. Éric Ndété n'était pas encore chef de file de l'opposition avant d'être royalement installé lors de l'avant-dernière célébration, presque aux côtés non loin du chef de l'État. Et quand le chef de l'État l'a vu, les deux ont fait les accolades, ils se sont parlé pendant un bon moment. C'était très beau. Le président Yahya Boni était dans sa mission en Guinée. Tout ça, pourtant, il est revenu. On était très heureux. Moi, j'estime, je réaffirme quelque chose. Je pense que c'est une erreur de la part de ces point de vue, hein, des anciens chefs d'État comme des leaders de l'opposition du Parti des démocrates de ne pas être là. Pourquoi? Parce que
l'expression de la souveraineté, je le dis encore ce jour-là, chacun de nous, des 12 millions ou 13 millions de Béninois que nous sommes, tient une part de cette souveraineté-là. Lorsque vous manquez, vous optez pour la politique de la chaise vide à une telle occasion, j'ai l'impression, moi je vois ça comme une manière de donner sa part de souveraineté qu'on tient, de laisser ça quoi aux enchères. Et c'est à croire qu'on considère que la fête nationale est la fête de Patrice Talon. La fête nationale, c'est pour le gouvernement. Non, moi, je ne vois pas ça comme ça. Et s'il venait à leur place, je serais venu, par exemple. Je sais qu'il n'y a pas dans le protocole un temps pour donner la parole à cette occasion aux anciens chefs d'État ou aux partis d'opposition. Mais on sait que s'ils étaient là, tout compte fait, Tinubu pouvait être là, grand président de la Grande République fédérale du Nigeria, mais on allait installer Nicéphore Soglo Yaïboni comme il se doit, on allait installer Éric Ndété comme il se doit, et à la fin, le chef de l'État, encore moins le gouvernement, n'ont aucun pouvoir d'empêcher toutes les caméras des médias, les caméras et micros des médias nationaux et internationaux, d'aller vers ces anciens chefs d'État, surtout que l'actualité donne toute envie de les écouter, de savoir le sens qu'ils donnent à leur présence à ce niveau. C'est sûr que beaucoup auraient dit « Ah, on s'attendait à ce que vous soyez pas là, vous êtes là, pourquoi ?» Et c'est l'occasion pour eux de dire, par les canaux qui atteignent directement les peuples, parce que les peuples ont besoin de comprendre leur démarche. Boni Yayi, Nicéphore Soglo, Éric Ndété, les démocrates, ils n'ont de légitimité que celle que le peuple leur donne. Donc, il faut que le peuple puisse lire leur comportement. Donc, s'ils étaient venus et ils disaient, mais nous sommes ici parce que la nation n'est pas la propriété du président en exercice. La nation nous appartient, nous tous. Et ça nous unit plus fortement que ce qui peut nous diviser. Et ils pourraient profiter de l'occasion pour exprimer le fait qu'ils soient restés sur leur faim. Ils ont espéré, par exemple, que à la veille du 1er août 2023, que le chef de l'État prenne décision pour gracier des gens, parce que c'est l'appel que j'ai le plus aimé de l'avocat de Joël Aïvor, maître Robert Dossou, qui, au-delà de l'avocat émérite qu'il est, n'est pas n'importe qui dans le parcours politique du Bénin. Donc il sait qu'à des moments donnés, lui qui dit qu'il plaide, à la limite, qu'il commande que le chef de l'État fasse ça, et que s'il le faisait, ce serait très élégant pour lui et pour toute la nation et pour l'image qu'on va projeter. Mais finalement, vous voyez dans l'analyse, quand vous écoutez les autres médias, quand vous voyez, même à l'international, les gens font, même la communication actuelle du gouvernement tend à montrer que, bon, ok, les opposants et les anciens chefs d'État ont voulu porter un coup à l'éclat de la fête. Heureusement, Tinubu était là. Gouverneur des États du Nigeria, très important, était là. Dangote était là. On a fait la fête. Il y a eu de l'originalité. Et puis, on a fait des parades des unités de forces de défense et de sécurité qui nous ont montré que les défis sécuritaires nous intéressent. Et dans l'opinion, notre président, même si c'est assez risqué péril aussi, est la vedette dans tout ce qu'il se fait en termes d'offensive diplomatique. Mais donc, on donne finalement l'impression que, bon, on n'a pas trop regretté leur absence. Mais dans le fond, il y a problème. Ce n'est pas normal que Boni Yayi, Nicéphore Soglo, Patrice Talon nous exposent leurs différends. Ils ne devraient pas en avoir autant parce qu'ils sont, ils ont des liens, ils ont des choses qui les lient, ils peuvent se parler. Et quand la fête nationale arrive, je plaide pour que vraiment tout le monde soit là. Il faut peut-être en arriver, pourquoi pas, vous l'avez dit, vous avez dit quelque chose d'extérieur tout à l'heure, vous avez dit, mais aucune disposition légale ne les oblige à être là. Donc ils ne peuvent pas être, on ne peut pas rester en justice contre eux pour ça. Mais s'ils étaient là, ce serait bien. Peut-être qu'il faut créer un statut spécial pour les anciens chefs d'État. Il faut peut-être créer une structure, un institut ou une institution dans laquelle ils se retrouvent et qui fait que on dit dans nos dispositions que ceux-là, ils sont d'office là. Donc, qu'ils soient contents du président qui est là ou pas. Parce que, en tant que parti d'opposition, les démocrates, dont Boni Yayi est président d'honneur, ils rêvent de prendre le pouvoir d'État et l'exercer. Ouais. Donc, quelqu'un parmi eux peut se retrouver à la place de Patrice Talon demain. Ouais.
Docteur Paul Marou, au vu du, pas peut-être pour le président Soglo qui a été moins prolixe, mais au vu du ton, du contenu de cette publication sur Facebook, est-ce que vous pensez qu'il sera facile là de reprendre, disons, le cours des choses, le lien de dialogue, ainsi de suite, parce que c'est... Quand on relit à tête reposée, en tout cas, même quand on prend du recul par rapport à cette à cet écrit sur Facebook, c'est assez. On se demande si après ça ils peuvent se parler. Évidemment, rien n'est, on peut pas dire que ce soit la fin du monde et qu'ils soient ennemis pour toujours, mais le ton employé, les mots employés dans cet écrit public sont assez forts. Donc comment on peut gérer la suite? Oui, même moi, si le gouvernement là n'a pas apporté de réponse frontale à ce document, il n'y a même pas eu de commentaire. Oui. Moi, je pense que je pense franchement que bon, ce que je disais d'abord hein, avant que je disais là où je parlais de négligence, ce n'est pas au niveau de la fête nationale, hein, c'est plutôt au niveau du règlement des choses au quotidien. Et je vous ai compris. Voilà. Je vous ai parfaitement compris. Alors, c'est même par rapport à ça que j'apporte cette réponse-là. Je ne pense pas que dans la gestion du pouvoir d'État, on puisse expliquer ça par une négligence et tout. Okay. Mais là encore, vous m'excusez. Quel est l'arsenal juridique qui impose cet agenda à un chef d'État? Non, il doit faire ça pour que les gens soient présents. Non, en fait, j'hésite souvent à parler de la loi hein, dans les comportements humains. Moi, je suis d'éducation littéraire et c'est social, donc relation personne à personne. Et c'est ça le problème. Tout se joue à ce niveau, pas les lois. La loi, elle est ce qu'elle est. Mais bon, justement. Là, vous me donnez, pour contextualiser encore ma question, relation de personne à personne avec ce qui a été écrit. Est-ce que la relation interpersonnelle, en tout cas, entre Yahya Boni... Parce qu'on a l'impression que dans cette scène, bon, le président Soglo occupe, disons, un rôle, je ne dirais pas central, mais ça se passe d'abord entre Yahya Boni et Patrice Talon. Est-ce que ça ne vient pas rompre une certaine relation de confiance qui a été établie depuis... Bon, c'est que la relation... Ils ont utilisé votre matière, hein. Ils sont restés dans la littérature. Absolument. Est-ce qu'ils n'ont pas créé plus de problèmes? Non, mais absolument. En fait, il faut... La lettre est l'expression d'un état d'âme. Oui. La lettre est l'expression d'un état d'âme. Ou bien le post sur Facebook est l'expression d'un état d'âme. Et peut-être aussi l'expression d'un dialogue qui a été rompu à un moment donné. Parce que, rappelez-vous, hein, au début de la prise de pouvoir 2016 du président Talon, il y avait presque de la colère et de l'amertume chaque fois que les deux doivent se parler. Ça, quand vous les regardez, les deux se parler ou parler l'un de l'autre, il y avait de la colère ou de l'amertume dans les regards. Et vous vous rappelez l'épisode de la Côte d'Ivoire où on a essayé de les réconcilier. Mais et puis bon, tout ce qui s'est déroulé hein, sous le premier mandat, si on se rappelle tout cela, ce qui a été important, c'est que à partir du second mandat, on a commencé à voir le président faire des pas vers eux, parce que en réalité, c'est les pas du président que les autres ont saisi. Okay. Le président Soglo a plusieurs problèmes hein, avec à résoudre hein, avec le pouvoir en place. Son fils est en exil, vous le savez. Mais aussi, vous vous rappelez qu'il est sorti par rapport à Djavon la dernière fois. Ben, bien sûr, il y a Ivo et autres. Bon, mais ce qui fait, disons, problème, comme je le dis, c'est les relations, personne à personne, c'est ça qui fait le problème. C'est que le président, après, on a comme l'impression que le président, après avoir fait un pas et que les autres se sont rapprochés et qu'il y a eu ce rapprochement, et c'est là où j'ai parlé de négligence, ça peut ne pas être négligence, ça peut être une réalité, mais on constate que
Après ces premiers pas et ces rapprochements-là, il y a comme on a comme l'impression que le président Talon, bien sûr, a encore fermé la porte tout de suite, derrière. On ne sait pas pourquoi. Il peut y avoir eu des choses de la part des autres qui fait que bon, il a replié. Mais ce qui est clair qu'on peut observer, c'est que, comme je le dis, il y a les faits qui sont là, et l'interdiction de la croisade, qui pour moi n'a pas de sens. Oui, vous l'avez dit. Enfin, beaucoup d'autres choses comme. On a constaté bon, que oui, à part la croisade, de moins en moins à part la croisade, mais bon, on peut dire que le président Yéboni vogue à son aise, hein, il fait du on le voit partout, c'est le nouveau pèlerin du on le voit partout, il gambade, il oui mais bon, on peut pas dire il joue au foot le matin. Oui, vous voulez me dire. Non mais écoutez, c'est pas parce que le président il prend des bains de foule. On ne restreint pas dans ces mouvements. Non, c'est pas parce que le président va un peu sur le terrain. Non, il va un peu. Premier problème politique, hein. Les nominations qui ont été faites, on revient là-dessus. Vous vous rappelez, on en a parlé ici. Oui. Nomination à l'Assemblée nationale. Oui. Désignation des gens. Désignation des membres de la Cour, de la Cour constitutionnelle. Il est chef de parti quand même. Les démocrates disent qu'il est président d'honneur. D'honneur, oui, mais écoutez, le patron du parti, le président d'honneur. Le président d'honneur n'est pas quand même complètement en dehors du parti. Voilà, donc quelque part, on voit venir quelque chose. Comme je l'ai dit l'autre fois, c'est la seule et unique chance en dehors, parce puisque la Sénat s'est bouclée. C'est bouclé. La NIP, c'est bouclé. On peut pas dire les démocrates doivent venir intégrer ces structures. Mais au moins, à ce niveau-là, il y avait une opportunité de faire une concession pour que les gens se sentent. Ce n'est pas que qu'on aurait un démocrate, on aurait nommé quelqu'un, enfin, venant des démocrates là, et ça va résoudre un problème. Mais ça, quand même, laisse entrevoir une certaine ouverture. Bon, ça n'a pas été fait. Et on constate de plus en plus qu'au Parlement, que les deux partis qui soutiennent le chef de l'État ne font aucune concession aux démocrates. Vu leur nombre, ils ne font aucune concession aux démocrates. Et donc, écoutez, l'ambiance générale, ces faits ne peuvent pas être en dehors de la relation, du ressenti de chacun. Et je pense que les gens se disent oui, mais bon, ok, on a fait cette ouverture, nous sommes rapprochés, on a commencé à faire cela, mais bon, tout de suite, on a comme l'impression que bon, c'était juste pour que nous puissions faire acte de figuration. Et ça, certains discours des membres, enfin, des membres des partis de la mouvance, certains discours confirment cela, qu'on a comme l'impression que oui, vous devez donc être là pour juste faire valoir. Je sais pas. Oui. En même temps, on se souvient, on se souvient de cette prise de parole du président Yahya Boni quand ils se sont rencontrés en 2021, où il disait très humblement, j'ai soumis certaines requêtes au président de la République, il verra, il appréciera. En fait, il lui laisse la latitude d'apprécier quand il le pourra, en tout cas, se pencher sur... Là, maintenant, on a l'impression que, c'est peut-être tout humain, on a l'impression que on dit cela d'un côté, mais on veut imposer un agenda au président de la République. On veut qu'il fasse les choses à notre rythme, comme nous, on le sent. Non, mais écoutez, ce discours dont vous parlez maintenant fait plus d'un an. Oui, ça fait plus d'un an. Justement, donc c'est un agenda. Si je voulais poser un agenda, c'était dès le départ, il faut dire. Non, bon, je ne connais pas les motifs. Pour paraphraser ce que vous dites, c'est que oui, bon, ça n'est pas, il ne voit rien venir un an. Peut-être ils considèrent que c'est pourquoi je dis ils veulent imposer leur agenda au président de la République. Non, ils ne voient rien venir. Il y a depuis un an. Oui.
Et comme je l'ai dit, il y a des petits faits. Enfin, pour que un vase déborde, il faut juste une goutte d'eau. Donc, il y a des choses qui viennent, et vous allez croire que c'est ça qui fait, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui... et c'est pourquoi j'ai dit, nous, je ne suis pas là, je ne connais pas le motif du président Yaïboni, je ne connais pas ses motifs, je ne connais pas non plus les motifs du président Talon, mais tout ce que moi, je peux dire, c'est que, vous voyez, les... Comment dirais-je? C'est que, bon, pour moi-même, en tant que citoyen, j'attends un certain nombre de choses du président Talon. Je ne les ai pas jusque-là. Puisque, bon, il y a longtemps que mais moi... Mais vous n'avez pas boycotté le 1er août. Je suis resté à la maison. Bon, vous n'étiez pas invité. J'ai regardé la télé quand même. Ah ouais, regardez la télé, d'accord. Je suis sûr que tous ont aussi regardé la télé. Ouais, bon, c'est déjà ça. Oui, allez-y. Non, moi je souhaite qu'on fasse attention à quelque chose. Faire la part des choses entre ce qui peut provoquer des ressentis pas trop reluisants, pas trop gais du côté des anciens présidents, que moi je considère encore, je les mets encore de côté par rapport aux démocrates ou aux partis de l'opposition. C'est vrai que Boni Yayi a la particularité de porter les deux chapeaux, ancien chef d'État et puis président d'honneur des démocrates. Qu'on ait interdit une croisade quelques semaines ou quelques mois avant le 1er août, pour des raisons que un préfet représentant le chef de l'État dans le département concerné a évoqué. Bon, représentant de l'État. De l'État, voilà. Alors, tout ce qui peut amener à ce que une autorité du genre prenne une décision du genre, on peut ne pas tout savoir. Mais moi qui suis ici, j'ai été surpris de voir cette décision. Je me suis dit, peut-être dans le timing, ça fait penser, c'est ce qui m'a gêné, ça fait penser à tout le monde que c'est parce que Yaïboni s'en est mêlé, parce qu'on veut toujours voir la bataille Yaïboni-Patrice Talon. Je pense qu'il faut qu'on en finisse. Celui qui allait organiser la croisade, le pasteur Koumoui qui allait venir, il a toujours organisé ces croisades-là dans beaucoup de pays, même au Bénin ici. Mais si aujourd'hui on estime, et puis la décision du préfet du département de l'Omé disait que tout ce qui est interdit, c'est que ce soit fait au stade, avec ce nombre de cette foule qui viendrait, mais que dans les chapelles, les lieux de culte de toutes les églises évangéliques impliquées, les fédérations, tout ce qui est impliqué, ça peut se faire. Beaucoup ne parlent pas de cette nuance-là. On a juste dit, on ne veut pas ce rassemblement-là. Et la décision d'un préfet, c'est au-dessus de la décision du maire lorsqu'il s'agit de maintien de l'ordre ou de prévention de la sécurité publique. Donc pour moi, Yaïboni, c'est vrai, ça va le choquer parce que lui, il avait commencé par montrer que c'est son affaire. Il était le patron de la communication, du marketing autour de cette affaire. Ça peut le gêner. Et il est évangélique. Lui-même, il est pasteur. Il passe prêcher un peu partout. Il est chantre, voilà. Ouais. Donc, on attend son album parce qu'on a eu des singles. Pour moi, ça ne devrait pas l'amener, même s'il n'est pas content, à justifier. Vous mettez ça dans l'analyse. Moi, j'estime que si ça a pu influencer son comportement, sa démarche, je trouve que ce n'est pas bien. Et j'insiste sur quelque chose. Les lettres qui sont sorties, si vous-même, vous avez constaté qu'il y a eu ouverture, les autres se sont rapprochés, il y a eu des discussions, les effets immédiats ont été là, on les a vus en espace public, notamment au 1er août de l'année passée, ensemble, il faut bien qu'eux aussi changent de méthode. Parce que la méthode ne peut plus continuer à être pour Boni Yayi et pour Nicéphore Soglo qu'à la veille du 1er août, parce que... éventuellement, depuis un an, on n'aurait pas eu des avancées significatives du côté de Patrice Talon vis-à-vis d'eux, qu'il faut donc se fendre de ces genres de messages sur Facebook, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le monde entier qui lit, s'il vous plaît. Donc, quand vous écrivez ces choses et vous voulez après que le chef de l'État, là, je ne sais pas, si même il a été votre enfant par le passé, il est dans une fonction aujourd'hui où il est toute une institution, c'est notre constitution qui le dit. Imaginez qu'ils aient fait, par exemple, pour le président Nicéphore Soglo, il appelle quelque part, et c'est légitime, à ce qu'on réfléchisse à la notion d'indépendance, qu'on y réfléchisse réellement. Ça, par exemple,
un ancien chef d'État comme Nicolas Sokou, oui, il peut imposer cette problématique pour dire il faut qu'on fête, d'accord, mais moi, à mon âge, avec mon expérience, je veux bien qu'il y ait des espaces de discussion sur cette thématique-là. Alors, Bouniaï peut écrire quelque chose et dire, bon voilà, clairement, moi, puisqu'il avait annoncé les doléances qu'il avait soumises au chef de l'État quand il était en audience avec lui, il peut se permettre, et là, de dire, oui, le chef de l'État, je lui avais demandé telle chose. Ça fait un an que ça dure, je n'ai pas, si c'est le cas, je n'ai pas des signes évidents de ce que ça va se faire. Le contexte de la célébration de la fête de l'indépendance est un contexte favorable pour que le chef de l'État agisse. Donc, je rappelle, je prends l'opinion publique à témoin pour lui rappeler, lui faire cette pression amicale-là pour qu'il puisse le faire. Mais au niveau des démocrates également, est-ce que vous avez constaté que au niveau de lors de leur conseil national, quand vous lisez entre les lignes, c'est à la limite si les leaders des démocrates n'étaient pas en train de dire, nous avons la preuve que pour nos amis qui sont en prison, le bout du tunnel est là, ça va venir bientôt. C'est à la limite si on veut dire, c'est déjà presque acquis. C'est dans les éléments de langage. Voilà, disait... celui qui veut agir, quand vous savez que, et là je reviens encore au droit que mon ami d'en face m'en excuse, je suis pour que les relations personnelles, les émotions, les relations qui d'homme sortent homme, de oui. voix d'homme à homme, parlent parfois surplante la loi, mais il faut bien que là où il y a risque de ne pas s'entendre, que la loi soit encore là. Et la loi veut que ce soit le chef de l'État qui ait donc le pouvoir de prendre des décisions qui vont aider à ce que cela ne fasse pas, ne purge pas la totalité de leur peine. Qu'on dise que Ricky Amadougou va faire 20 ans en prison, qui d'entre nous peut être heureux de ça? 10 ans pour Joël Aïvo, pour ce qu'ils sont ces personnes-là, Thibaut Ogou et beaucoup d'autres qui sont en prison. Et ceux qui sont à l'extérieur, ils ont... Mais je suis même gêné qu'on commence, on se trouve dans la triste obligation d'évoquer les problèmes particuliers de ces anciens chefs d'État pour justifier leur comportement vis-à-vis de la nation qui doit oui. célébrer le 1er août. Mmh. Quand vous parlez du fils de Nicéphore Soglo, non, c'est M. Liadi Soglo qui n'a pas été n'importe qui dans la République, maire de Cotonou. On l'a occulté quand même. Non, écoutez, c'est son fils, d'accord. Mais il faut qu'on fasse très attention. Si la communication du président, de l'ancien président Nicéphore Soglo avait été suffisamment bien pensée dans sa sortie, vous ne serez pas littéraire que vous êtes, et ça, j'ai un faible pour des gens qui sont littéraires, vous ne serez pas, vous ne serez pas retrouvé dans l'obligation de dire. Bon, comprenons quand même que son fils est en jeu. Ils ont des problèmes personnels. Croisade pour Yahya Boni, c'est sa conviction religieuse. Pourquoi devons-nous inviter ou convoquer donc ces frustrations à ce niveau dans au registre donc des éléments qui auraient pu qui ont pu donc le convaincre à dire je ne viens pas à la célébration de la fête nationale. Mais voilà. Une fois encore, comme la loi ne les y oblige pas, le 1er août ça va être célébré. Je pense que même hier les gens ont bien dansé à l'esplanade de l'Amazone. C'est oui. bon, on peut passer à autre chose. Et ce n'est pas encore exclu. Le chef de l'État, Patrice Talon, peut encore agir. Oui. La loi ne dit pas non plus que si la date du 1er août passe, que le chef de l'État ne peut rien faire oui, pour cette personne-là. Je pense qu'on peut souhaiter qu'il oui. se mette au-dessus de la... En parlant d'agir, et on va finir là-dessus, en parlant d'agir, et je vous donne la parole ensuite, en parlant d'agir, moi, ça revient toujours à l'initiative des démocrates à l'Assemblée nationale. Là, ils ont hypothéqué... Est-ce que ce qui est fait, parce qu'encore une fois, on a reçu le secrétaire administratif du parti à l'occasion de ce Conseil national, et il disait, en direct ici, que voilà, ça suivait son cours et qu'ils avaient bon espoir de rallier à leur cause les députés des autres partis. Et d'ailleurs, le Conseil national s'est tenu dans une ambiance bon enfant, tous les autres partis étaient représentés. Ça a été, en tout cas, c'était une belle célébration. Tout le monde y était, sauf Candide Zanaï. C'était une bonne célébration pour tout le monde. Il y avait de quoi espérer que ça... Et là, tout d'un coup, c'est les signaux contraires qui sont avancés. Voyez-vous la suite de ce, en tout cas, de cette initiative? C'est pourquoi je dis, pour moi, ça a été une erreur de leur part
de n'avoir pas été là. Et je vous dis, c'est sûr que si on aborde individuellement les députés, particulièrement les députés des démocrates, je vais vous faire rire. Il y en a que c'est pour la première fois qu'ils allaient s'afficher au 1er août avec leur écharpe en qualité de député. Et s'ils avaient été là, aux côtés des députés de l'Union progressiste, le renouveau du Bloc républicain, je vous jure, au sorti de là, un, ça n'allait pas les empêcher de continuer à tenir leur discours d'opposants, mais deux, ils n'auraient donné aucune occasion, donc, aux députés de la mouvance présidentielle de leur dire, vous voulez quelque chose, ils sont contraires. Parce qu'eux aussi ont envie, là où leur chef, à eux tous, le chef de l'État, n'a pas encore parlé, eux aussi, ils auront envie de dire, si ils s'entendent pour tenter de vous ridiculiser là-bas ou de vous faire une fête qui va avoir un goût d'inachevé, nous aussi, vos éléments ici, il ne faut pas qu'on leur donne la communion sans confession. Il ne faut pas qu'on leur donne tout. Mais nous devons pouvoir dire sur ce plateau qu'aucun sacrifice ne doit être de trop pour aucun acteur parmi eux là, pour qu'on en arrive au dégel, on en arrive à la sortie de prison de ces personnalités, de ces citoyens qui ont besoin de rejoindre leur famille et qui ont besoin de contribuer honnêtement à la construction de la nation. Et aussi, dans une certaine mesure, qu'on voit ceux qui peuvent être considérés vraiment comme des gens en conflit avec la loi, des exilés, si c'est le titre qu'on doit leur donner, pour qu'ils reviennent au pays. Donc, que le président de la République, selon moi, essaie de ne pas regarder ces questions d'humeur. S'il avait prévu faire quelque chose suivant les pouvoirs, les prérogatives que la loi lui donne, qu'il le fasse, que si les députés de la mouvance présidentielle doivent contribuer en étudiant le fond de la proposition de loi d'amnistie, s'ils étudient et qu'ils en conviennent avec les démocrates, qu'ils le fassent. Moi, je veux bien voir un atelier, par exemple, initié par l'Assemblée nationale, où on a les députés de la mouvance et de l'opposition qui s'asseyent pour discuter, pour dire le contenu de cette loi-là. Est-ce que ça pose des problèmes du point de vue jurisprudentiel? Est-ce que ça pose des problèmes du point de vue pour éviter qu'on discute? Il y a eu deux poids, deux mesures. Est-ce que les normes internationales sont respectées? C'est fini. Et on y va, ce serait bien pour la nation. Voilà. En parlant de sur la même question, je vais compléter pour être encore plus précis. Au-delà des ex-chefs d'État, est-ce que le parti Les Démocrates vient de se tirer une balle dans le pied à l'Assemblée nationale, lui égard aux chances de succès de leurs initiatives? Est-ce que la balle n'était pas déjà dans le pied? Bon, j'en sais rien. Voilà, c'est toute la question. Je ne voulais pas parler de... En parlant d'Assemblée nationale, je ne parle pas de loi. Là encore, je parle de relations interpersonnelles. Ouais. C'est-à-dire que vous nous demandez de collaborer sur un projet bien précis. Ouais. Et après, bon, dans le même temps, vous ne vous empêchez pas de tenter quelque peu, je vais peut-être vous piquer le mot, quelque peu de nous... je ne vais pas dire une grossièreté, de nous ridiculiser au 1er août, bon, de banaliser un peu. Écoutez, est-ce que, en parlant de relations interpersonnelles... Je pense sincèrement que nous ne devons pas aller dans nos analyses sur ce terrain-là. Okay. Parce que, vous savez... Mais vous avez exploité le même prisme. Hein. Vous êtes allé chercher l'interdiction d'une croisade pour tenter de justifier qu'un ancien chef d'État... Je ne justifie pas. Je n'ai pas évoqué que la croisade. J'ai évoqué les Hadi. Oui. J'ai évoqué les faits politiques. Oui. J'ai évoqué un ensemble de choses. J'ai dit c'est une... Donc ce boycott aussi est un fait politique qui peut... porter un coup à l'élan le boycott, de ces mouvanciers-là. Le boycott est une réaction. C'est une réaction. Si vous ne lisez pas ça comme une réaction, alors ça va renforcer tout le débat. Même dans une réaction, il faut savoir raison garder pour que l'entendre. Moi, je voudrais bien que vous demandiez beaucoup de choses aux démocrates, des comportements. Mais les démocrates n'ont pas le pouvoir. On en a demandé au chef de l'État. Attendez, non, mais les démocrates n'ont pas... Aux députés de la mouvance. Les démocrates n'ont pas le pouvoir. Et vous savez, le chef de l'État est dans la peau d'un chef. OK. Et... on attend de lui des attitudes et des comportements d'un homme d'État. Okay. Un homme d'État s'élève au-dessus de beaucoup de considérations. C'est pourquoi, dès le départ, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que j'espère que les trois
là vont finalement s'élever au-dessus de considérations de « il m'a fait ça, je lui ai fait ça, il m'a fait ça, je lui ai fait ça, il m'a fait ça, je lui ai fait ça ». Et on a comme l'impression, à la lecture même, vous voyez, donc dans toutes les explications que nous avons eues maintenant, on a comme l'impression que c'est ça. Il a fait ça, j'ai fait ça. Il a fait ça, j'ai fait ça. Non. Et, écoutez, la libération de Rikiat Madougou, de Joël Aivor, ce n'est pas un fruit, un produit des démocrates. Ça ne peut pas l'être. C'est toute la nation qui est concernée par ce problème-là. Et le chef de l'État, lui-même en premier lieu, est concerné par ce problème. Et donc, ce n'est pas comme si, oui, il résiste, et puis bon, les autres sont en train de taper, et puis là, il a fini par céder. On ne peut pas voir ça comme ça. Moi, je crois qu'il a ses raisons. Il a dit clairement... comment dirais-je, le jour où on l'a interviewé, je crois, TV5 Radio France Internationale, pour parler de, juste après les élections, il a dit clairement qu'il ne veut plus donner d'amnistie ou de quoi que ce soit à des gens qui sont impliqués dans les violences électorales. Et je pense que lorsque le temps passe et que la vie de la nation commence à se crisper autour de ce problème-là, qui en réalité peut être résolu, okay, en s'élevant au-dessus de la situation. Moi, je pense qu'il faut franchement, comme je l'ai dit, nettoyer cette ardoise-là et nous permettre de ne pas crisper la vie politique autour de ces questions-là. Oui, il a fait si j'ai fait ça, il a fait si j'ai fait ça. Et puis, voyez, ça tourne autour toujours de Rikiat Madougou. Je me demande si le jour où on aura libéré les deux, le jour où, comment dirais-je, peut-être Léadi, j'ai parlé de lui, bon, comme fils du président Sogolo, mais Léadi a une personnalité politique. Et Léadi a été chef de parti politique jusqu'avant son départ. Mais on ne peut pas parler de Léadi sans parler de sa relation avec le président Sogolo, n'est-ce pas? Voilà. Encore que lui-même ne sort pas pour crier ça sur les toits tous les jours. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ça fait partie des choses, des crispations, des choses qui crispent et qui font que les uns les autres ont l'impression que ça ne bouge pas. C'est ça le problème. Pour moi-même qui suis ici, citoyen, simple, quand j'observe la vie politique et que j'observe un certain nombre de choses, je constate que, comme je vous l'ai dit, il y a une ouverture, les uns et les autres sont rentrés dedans et ont commencé à croire qu'on va retrouver une certaine vie d'ensemble dans une certaine ambiance. Mais bah, il y a eu un certain nombre d'événements, ok, politiques, d'événements personnels et autres qui font que il y a des ressentis. Et bon, leur façon peut-être d'exprimer ce ressenti, c'est de ne pas se présenter à la fête nationale. Encore que oui, moi, ça c'est personnel. Oui. Moi, dans leur position, je me présenterai pas. Pourquoi? Simplement. Oui. Parce que si je me sens pas à l'aise d'être ici pour parler au micro, je ne viendrai jamais. Moi, je suis comme ça. Être dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise, mais vous êtes obligé de le faire, c'est que vous subissez. Ça, c'est du point de vue mais dans le même personnel, temps, vous leur demandez de se lever au-dessus de toutes les considérations. Oui, je dis. Là, vous êtes en train de demander aux anciens chefs d'État, eux, ils ont l'excuse de ne pas s'élever au-dessus. Non, je n'ai pas dit ça. Si vous suivez bien mon raisonnement, je dis que ça, c'est moi, personnel. OK? Si j'étais à l'heure, je ne suis pas un ancien chef d'État. Je le dis à la place de l'ancien chef d'État. Je ne suis pas un ancien, ce que vous lui avez demandé. Je ne suis pas un ancien chef d'État. À leur place, vous mettez à leur place. Si vous mettez à leur place, c'est que vous êtes. Non, je ne suis pas un ancien chef d'État. Mais ce qui est clair, rappelez-vous ce que j'ai dit dès le départ, les trois doivent s'élever au-dessus de la situation. Et ça, je n'ai pas dit que quelqu'un doit le faire. L'autre ne doit pas le faire. C'est les trois qui doivent s'élever au-dessus de la situation. Parce que, vous savez,
les sillons qu'ils sont en train de creuser maintenant auront des conséquences sur plusieurs années à venir. Et il faut tenir compte de ça, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Regardez ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique autour de nous. Et ce qu'on crée, ce qu'on fait aujourd'hui, a des, surtout quand on est en position de pouvoir comme ça, ou qu'on a été en position de pouvoir, a des conséquences sur plusieurs années à venir. Et ce que nous voulons laisser donc pour l'avenir, ce n'est pas les conflits interpersonnels, mais c'est plutôt comment travailler ensemble, même avec les divergences, pour construire la nation. Voilà, il nous reste quelques minutes, donc on va aborder rapidement le sujet. Oui, si vous pouvez me dire, en 30 secondes, quelques précisions. La première, c'est de dire qu'il ne faut pas rêver non plus que la résolution, les concessions à fait entre ces différents acteurs là majeurs tue complètement le jeu politique, les coups politiques qui se donnent à la régulière. Non, je rêve pas d'une scène politique où Yaï Boni et le président Patrice Talon s'entendent sur tout, montrent toujours qu'ils s'entendent sur tout avec Nicéphore Soglo, les démocrates encore moins. Deuxième précision, lorsque je ne suis pas d'accord que vous réduisiez tout à un jeu où on dit il a fait ça, j'ai fait ça. Non, il faut prendre cas par cas. Lorsque lui pose la question précisément par rapport à la proposition de loi d'amnistie, même le chef de l'État en exercice, s'il décide d'appuyer ça, il devra discuter avec les députés des partis à l'Assemblée nationale qui sont de son camp. Et ça, c'est des êtres humains qui sont là, c'est des adultes. Si eux, ils disent, nous sommes frustrés du fait du comportement des autres, ça va ralentir les choses, ça va prolonger. Parce qu'il ne va pas les appeler un matin pour dire, écoutez, vous, UPR, BR, écoutez, allez me voter ça. Non, c'est des gens qui vont dire, monsieur le président, c'est votre avis, vous êtes notre chef, vous nous demandez ça. Mais voilà comment les gens se comportent envers nous. C'est en cela que, pour retourner dans votre propre prisme, les relations interpersonnelles, les relations d'homme à homme, nécessitent également que chaque mot qu'on veut utiliser, chaque pas qu'on veut poser, à l'informel ou au formel, on en tienne compte et qu'on sache qu'on est dans un contexte donné. Oui, et tout est à prendre en compte pour qu'on en arrive là, l'essentiel étant que les choses aillent bien pour ceux qui sont en prison. Voilà. J'aimerais finir sur ça lorsque je vous l'ai dit. Là où vous n'avez pas raison de dire que du fait on ne doit pas lier l'action des démocrates à ce qui a fait par rapport à Ricky Amadougou, Joël Ahivoy, autre là. C'est justement les démocrates qui prennent ça comme leur affaire. C'est justement le président Yaï Boni, le président Nicéphore Soglo qui prennent ça comme leur affaire. Et même dès qu'il y a des signaux, des signes avant-coureurs du dégel, ils s'empressent de dire que c'est de montrer qu'ils veulent récupérer la paternité de cette action. Donc, adressez-vous à eux pour dire c'est pas votre affaire, c'est l'affaire de la nation. Et donc, il faut construire le langage. En conséquence, autour. Voilà, j'aurais besoin de juste d'un oui et d'un non. Bon, parce qu'il nous reste quelques minutes. À moins que vous voulez finir là-dessus, mais j'ai besoin de votre avis sur le second sujet. Parce qu'il nous reste quelques minutes pour finir. Le Bénin doit-il envoyer des soldats au Niger en cas d'intervention de la CEDEAO? Très rapidement. Oui ou non? Mais le Bénin est parti à toutes les dispositions qui unissent les pays membres de la CEDEAO. Si la CEDEAO décide formellement, selon ses instruments à sa disposition, d'intervenir militairement au Niger, ce qu'on ne souhaite pas, eh bien le Bénin peut être appelé à apporter, à envoyer des soldats. Maintenant, selon la décision des appareils militaires de tous ces pays-là, on peut ne pas demander des hommes au Bénin. Au front, on peut demander au Bénin de contribuer du point de vue logistique, du point de vue des renseignements. Le Nigeria peut dire, moi seul, je prends tout. Il peut dire, entre le Nigeria et d'autres pays qui sont prêts à envoyer, il est arrivé que dans une intervention ailleurs, que au Mali notamment, qu'on ait cherché, le Tchad ait donné tout un contingent pour faire l'opération au nom de tout le groupe. Donc, j'estime que le Bénin doit être prêt à toute éventualité, être capable d'envoyer des hommes, encore que les soldats béninois ne sont pas moins préparés à une intervention militaire que les autres pays. Seulement que ça me gêne que lorsque le terrorisme est là comme ennemi commun, qu'on se retrouve dans la triste obligation de devoir faire des interventions militaires comme ça. Voilà, même question. Bon, écoutez, moi, je voudrais rapidement dire quand même un mot. C'est-à-dire que moi, je voudrais dire qu'il faut que nous réfléchissions
quand je parle de, enfin, surtout de ceux qui, parlent au président de la République ou parlent pour défendre le président de la République, qu'ils considèrent souvent que le président de la République est dans la peau d'un chef. Donc, le chef a plus de latitude que les autres, et le chef, on s'attend à un certain nombre de choses. Okay? Et moi, j'ai dit que moi, en tant que citoyen simple, moi-même, j'attends des choses depuis, je n'ai pas vu. Okay? Et je suis frustré. Mais ce n'est pas pour cela que je critique ou que je boycotte la fête nationale. Et bon, maintenant, quand c'est un non catégorique, un non vraiment catégorique, faut pas envoyer de personnel militaire sur le théâtre du Niger, parce que vous savez, il profile à l'horizon d'abord une certaine division de la CEDEAO. Vous avez quatre pays, Guinée, Mali, Burkina, Niger, qui vont se mettre ensemble et qui vont faire face aux autres pays. Donc la CEDEAO va devenir un champ de bataille. Mais champ de bataille pour quelle raison? Champ de bataille simplement pour les problèmes entre les puissances. Les Américains mettent de l'argent derrière la CEDEAO pour dire aller attaquer les autres. La Russie va mettre l'argent derrière les autres pour dire défendez-vous. Vous comprenez, moi... Donc pour vous, c'est un non catégorique. Non catégorique. Ouais. Catégorique. Il ne faut pas du personnel militaire béninois sur ce théâtre, parce que nous ne savons même pas encore où va la situation, disons, des relations internationales dans ce contexte où tout est entre deux. Et donc, prendre des positions aussi tranchées que ça, dès maintenant, va nous coûter dans le futur. Voilà, merci beaucoup, Dr. Paul-Marie Wessou. Je rappelle que vous êtes ancien chercheur à l'UAC, analyste politique également. Jules Léon Kitty, porte-parole de l'UDBN, merci pour les échanges de ce matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À ma suite, vous allez retrouver Angèle Toboula et ses invités pour l'hebdo des éditorialistes.